Classroom, pour moi, c'est un outil que je découvre cette année. Puis, je suis encore en essai et erreur. Pour moi, Classroom, c'est un espace de dépôt. C'est une place où les élèves peuvent partager leurs travaux. Puis moi, ça me permet en même temps de voir est-ce que l'élève est capable de faire la tâche demandée dans le temps demandé et de remettre le travail demandé pour une tâche informatique. Exemple, mes élèves, ils ont à chaque semaine une banque de mots à étudier du vocabulaire. Leur devoir de la semaine, du lundi, c'est de choisir des mots, puis de faire des phrases complexes, des phrases riches, avec les mots qu'ils vont choisir. Donc, le mardi, le plus souvent possible, avec les devoirs amenés, je dis aux élèves, on s'en va à la salle d'informatique et vous recopiez vos phrases et vous les corrigez avec Antidote. En plus, je veux pas que imprimer leurs phrases, je veux sauver du papier. Donc, Classroom, ça me permet de sauver du papier, premièrement, puis de voir que l'élève a été capable de faire la tâche demandée dans le temps demandé, puis je suis capable de voir s'il a utilisé, s'il a suivi les consignes, est-ce qu'il a utilisé un Antidote, est-ce qu'il les a corrigées, ces phrases. Ça me permet de voir aussi, est-ce qu'il a respecté les consignes, est-ce qu'il a, par exemple, il a écrit en 13 points, en comics, il a été capable de comprendre toutes les informations que moi j'ai données à l'oral, exemple, vous utilisez la police comique, en gras, centré, est-ce que ça a été compris. Donc, Classroom, pour moi, c'est vraiment un outil qui me permet de faire un suivi des apprentissages des élèves. J'apprends beaucoup par moi-même, donc je fais comme je peux, puis je me dis, ben j'essaie aujourd'hui une nouvelle chose, puis ça va ou ça va pas, mais généralement, ça va bien. Avec le numérique, j'essaie des petits projets, donc c'est toujours assez court. Pour pas que si je me plante, ben ça paraît pas trop. Donc, j'essaie de faire des petites expérimentations, soit avec Classroom, soit à la salle d'informatique. Je vais avec mon matériel au quotidien, donc avec soit l'écriture, les nouveaux mots de vocabulaire, soit avec des expressions québécoises ou francophones ou des expressions figées, soit avec des dictées que j'utilise au quotidien dans ma classe. Donc, cette année, nouveauté, j'ai décidé d'inclure Classroom dans mon enseignement. Mon intention pédagogique avec le projet des expressions figées a été, en fait, oui, d'apprendre une expression figée, mais aussi développer les compétences TIC, les compétences technologiques de mes élèves. Étant enseignante en classe d'accueil, je réalise qu'il y a parfois des élèves qui n'ont jamais été exposés au TIC. Puis, mon intention, c'est de vouloir les mettre quand même assez à jour avec l'utilisation TIC. Tu cliques sur cette partie. Est-ce que c'est fait ton travail? C'est bon. OK, vas-y. Oui. Tu cliques sur cette partie. Okay. Autre app. OK. Tu vas envoyer sur Google Drive. Le Google Drive. Après. Attends, recommence, je sais pas. Annuler. Oui. Ok, comme ça. Oui. Et puis. Autre app. Ok. Tu vas l'envoyer sur Google Drive. Google Drive, ok. Oui. Et puis. Là. Oui. Est-ce que c'est un titre de travail? Là, tu veux le changer? Cherche Classroom. Il est là? Il est là. Madame, vous pouvez recharger la page? Oui. Votre carte sur le okay. Jeu. Et puis, okay, ajouter une pièce plus haute. Ici? Google Drive. En haut à gauche. Darby et Mustapha. À droite. Rentre dans le La flèche qui est